comme tu veux. Ben, je pense qu'avec ça, le problème devrait être réglé. Parfait, parfait. Il est très important que nous puissions communiquer ensemble. L'idéal serait bien sûr que non seulement nous puissions nous entendre, mais que nous puissions nous voir. Exactement. C'est la quête de tout chevalier d'un jour pouvoir s'en emparer. Et de votre côté, les choses avancent? Je crois qu'Argaï a trouvé. Il s'agit du Saint Graal. En le retrouvant, le vrai chevalier permettra de guérir le roi Arthur des enchantements et ressoudra à jamais la table ronde. C'est la quête ultime. J'étais sûr que ce quatrain sur la chevalerie vous inspirera. C'est quoi le Saint Graal? C'est de cette façon que les chevaliers nomment le calice du Christ. C'est un objet ô combien symbolique, Barnabé. C'est la coupe que le Christ utilisa pour boire le vin le soir de la scène. Rien que ça, il se trouve où? En Terre Sainte, à Jérusalem, je présume. Sur la route des croisades. La route des croisades? Mais c'est là que frère Tiche a emmené Angèle après son envoûtement. Exact, et c'est là que se trouve votre père, le roi Car. C'est l'occasion de tous les retrouver. Eh bien, mes amis, j'ai terminé. Parfait, je crois qu'il est temps de partir. Monsieur Oscar? Qui a-t-il, Miss Moon? Est-ce que je peux venir avec vous? Je croyais que vous détestiez le Moyen-Âge. Bien, c'est que j'aimerais bien rencontrer Mademoiselle Angèle. Ah, je suis d'accord, préparez-vous, nous partons dans un instant. Huxley, nous te laissons seul. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Oh, oh, c'est vous, Chou. Vous nous avez fait peur. Ceci est une épée magique, honorable chevalier. Magique? Absolument, son nom est Excalibur. Excalibur? Je crois que tout a la bonne. Prince Argaï, ceci est un excellent présage. Je suis prête. Mais ma petite Mouni, vous ne comptez pas partir au Moyen-Âge, je vais te pousser ma gueule. C'est impossible. Mais j'ai pris le minimum. Allons, allons, je vous assure que tout ça ne sera pas nécessaire. Bonne chance, les amis. Regarde, voici la ville de Jérusalem. Cette fois-ci, ne laisse pas passer ta chance, Gecko. Occupe-toi du prince Argaï et de ses complices. Je veux qu'ils disparaissent, tu m'as compris? Oui, Majesté. Moi, je m'occupe du Graal. L'ambiance n'est pas brillante, les gens nous dévisagent avec de drôles de regards. Les croisades ont rendu les gens d'ici méfiants avec les étrangers. Il vaudrait mieux nous séparer. Argaï a vous l'honneur de retrouver le Graal. Et nous, nous allons chercher Angèle. Et moi, je fais quoi? Tu viens avec moi, Barnabé. Frère Tiche, mon ami, cette olive me paraît parfaite pour une petite pause. Cette chaleur est insupportable. Observez. Ma pauvre petite, tu dois avoir chaud toi aussi. Je vais te trouver un coin d'ombre. Nous avons de la chance, je crois. Cet enfant m'a l'air de beaucoup ressembler à cette Angèle, la fiancée du prince. Ici, tu seras bien. Ne t'inquiète pas. Frère Tiche veille sur toi. Quel dommage pour le prince Argaï. Il a fallu que sa fiancée croise ma route. Allez-y. Vous pensez qu'on a une chance de retrouver Mademoiselle Angèle? J'en suis convaincue, ma petite Mouni, convaincue. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? L'intuition du détective. Oh, vous croyez? Mais bien sûr, c'est l'évidence. Oh, tenez, regardez. Nous allons demander à ces missionnaires s'ils n'ont pas vu frère Tiche. Eh bien, le bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Dites-moi, n'auriez-vous pas croisé un moine assez rond accompagné d'une jeune fille aux longs cheveux? Si, là-bas, nous nous sommes salués avec ce moine. Il conduisait une petite charrette. C'était-il il y a longtemps? Non. Avez-vous besoin de notre aide? Oh non! Vous n'avez rien remarqué d'autre? Le moine parlait à la jeune fille, mais elle avait l'air endormie. C'est exact, oui. Je vous remercie beaucoup pour le renseignement. L'intuition était la bonne. Je vais enfin voir Angèle. Pour ça, il nous faut retrouver cette charrette, ma petite Mouni. Ouvrons l'œil. Alors, tu ne dis pas bonjour à ta reine? Mais majesté... Relève-toi et sortons. Ta cabane en peste. Oui, majesté. J'ai besoin de toi. Je suis à la recherche du calice. Le calice? Le Graal, si tu préfères. Tu dois savoir où je peux le trouver. Il est dans la possession des seigneurs du désert, majesté. Alors conduis-moi jusqu'à eux.
Dis donc, Argaï, c'est quoi exactement les croisades? Ce sont des expéditions organisées par l'Occident pour récupérer la Terre Sainte. Oh, je comprends pourquoi on n'est pas les bienvenus alors. Tiens. Ah, allô, patron? Sur la piste d'Angèle, mais c'est formidable ça! T'as entendu ça, Argaï? Voilà, étranger! Hein? Suivez-nous! Emparez-vous d'eux! Okay, lâche-moi! Un chevalier, ton compte est bon! Emmenez-les! Monsieur Oscar, regardez là-bas! Une charrette! La chance est avec nous! Allons voir! Oh, je suis tellement contente! Bien, ma petite mounie, elle est vide. Voyons, voyons. Il y a quelqu'un? Là-bas. C'est un moine. C'est sûrement frère Tiche. Vous avez raison. C'est bien lui. Frère Tiche, tenez. Qui êtes-vous? Mais que m'est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je m'appelle Oscar Lampoule et voici Miss Moon. Angèle! Angèle! Nous ne l'avons pas trouvé! Nous sommes des amis du prince Argaï, il est en ce moment même à Jérusalem. Le prince Argaï? Ici? À Jérusalem? C'est une longue histoire que nous vous raconterons plus tard, si vous nous disiez ce qui s'est passé. Argaï! Le prince ne pardonnera jamais d'avoir perdu Angèle! Je n'ai eu le temps de rien faire. Deux sales bestioles m'ont attaqué, et puis un petit être à capuche s'est approché. Il avait une main et une jambe en fer. Gecko! Mon Dieu! Après, je me souviens plus de rien. Ne vous en faites pas. Nous retrouverons Angèle, je vous le promets. Voilà qui est étrange. Barnabé ne répond pas. Tiche, il y a quelque chose de positif dans tout ça. Si j'avais voulu se débarrasser définitivement d'Angèle, nous l'aurions retrouvé ici. Au lieu de ça, ils l'ont enlevé. Et alors? Alors, c'est très simple. L'envoûtement d'Angèle l'a rendu immortel. Je suis sûr que la Reine Noire ne peut faire disparaître une des jeunes filles qu'elle a ensorcelées. C'est impossible. Leur dérober leur jeunesse est une chose, mais les tuer en est une autre. Allons-y, nous avons assez perdu de temps. Je n'ai rien compris. Oh, c'est pourtant simple. La Reine prend la vie des jeunes filles en les ensorcelant. Si elle les tue, elle se tue elle-même. Je comprends toujours pas, moi. Que font-ils? Je déteste d'attendre. Le désert est vaste, Majesté, et la route est longue. Mais je suis sûr qu'ils ne tarderont plus maintenant. Oh, tenez, Majesté, les voilà! Tu as demandé à nous voir. Vous êtes des braves, seigneur du désert. On me dit que votre ordre détient un objet précieux. De quel objet parles-tu? Du seul qui m'intéresse, le Graal. Nous en sommes ses gardiens, nous le protégeons des êtres impurs qui veulent s'en emparer. C'est la raison pour laquelle je voulais te voir. Un homme est arrivé à Jérusalem. C'est un chevalier. Un chevalier? Il se nomme Argaï et il veut s'emparer du Graal. Cet homme est fou, voler le Saint Graal, c'est impossible. En es-tu bien sûr, seigneur du désert? Personne ne peut vaincre le grand faucon, personne. Je te le souhaite. Je te remercie de ton aide. Si ce chevalier tombe entre nos mains, il sera châtié. Allez. Voilà. Ici, vous serez bien au frais. Allez. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. J'enrage. Qui êtes-vous? Mon nom est Arnaud de Baudrecourt, et je suis chevalier de l'Ordre des Templiers. J'ai été fait prisonnier durant la croisade. Et vous, qui êtes-vous? Je me nomme Argaï, prince de Tirloc. Voici Barnabé. Chevalier, vous dites que vous avez fait la croisade? Ça, c'est de la chose. Nous avons été vaincus en Égypte. Une vraie déroute. Avez-vous rencontré le roi Kar? J'ai combattu à ses côtés, oui, un grand guerrier. Il a réussi à s'enfuir. Je ne sais pas où il est maintenant. Et vous, que faites-vous ici? Nous sommes à la recherche du Saint Graal. Vous aussi. C'est la raison pour laquelle je suis venu jusqu'à Jérusalem. Vous savez où il est? Pas vraiment. J'ai entendu dire qu'il se trouvait dans la ville montagne, à une journée de route ici. Ce sont les seigneurs du désert de l'Ordre du Faucon qui en sont les gardiens. C'est tout ce que je sais. L'Ordre du Faucon. Il faut sortir d'ici. Allez, les gnomes, dépêchez-vous. Qui a
fait une belle prise, Gecko. Le hasard a conduit mes pas jusqu'à la fiancée du prince Argaï, Majesté. Quel est ton plan? Je comptais me rendre au grand marché d'esclaves d'Aliatcha en Arabie. Une fois vendu, il sera impossible pour le chevalier de retrouver sa fiancée. Ton idée est bonne, Gecko. Très bonne. Je te rejoindrai là-bas. Je retourne en 2075. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça a marché comme sur des roulettes. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Où est-elle? Par ici. Oh, cachons-nous. C'est le corps de garde. Allons-y. Lâche ton arme. Prince, il est temps de filer d'ici. J'ai récupéré toutes nos affaires. Bien, ne restons pas là. Venez, dépêchez-vous. Non, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est un chameau. Le plus sûr moyen de locomotion du désert. Oh bon, Gaola. Oh, ah, salut. Mes amis, c'est ici que je vous laisse. Que dites-vous? Retrouver le Saint Graal était pourtant votre quête. Vous n'allez pas nous abandonner ainsi. Désolé, prince Argaï, mais les forces me manquent, hélas. Seul, il vous sera plus facile de vous emparer du Graal. Bonne chance. À vous aussi. Suivez bien mes indications, car on se perd facilement dans le désert. La ville montagne vous attend. Adieu. Adieu, Arnaud. Salut, chevalier. Ah, oh, ce voyage n'en finit pas. Oh. Non, t'as un petit bonhomme, le téléphone remarque. Oscar Lampoule, j'écoute. Non. Eh ben, dites donc, c'est pas des bonnes nouvelles, ça, patron. Argaï, tu vois, là, je crois qu'on a un petit souci. Angèle? Le Gecko l'a relevé. Maudite soit cette créature! Je la retrouverai, Barnabé! Je la retrouverai! Le prince Argaï doit être déçu. Certainement. Je vais contacter Huxley. Huxley! Ah! Miss Moon, prenez le volant. Mais je n'ai jamais conduit une charrette de ma vie. Eh ben, c'est le moment ou jamais pour apprendre. Et puis, à cette allure, nous ne risquons pas l'accident. Bon. Eh bien, mes amis, que se passe-t-il? Écoute, j'ai besoin d'avoir des renseignements sur un endroit qu'on appelle la ville-montagne. Ma petite Mouni, je prends l'intention de laisser Argaï et Barnabé aller tout seul là-bas. Barnabé, j'ai l'impression que nous touchons au but. Ça ressemble aux indications qu'Huxley a données au patron. C'est l'accès principal à la ville de Petra. Et l'endroit idéal pour tendre un piège. Allons-y. Ouais. Il y a un garde qui surveille là-haut. Attends-moi ici, je vais m'en occuper. La voie est libre! Emparez-vous de lui! Chef! Chef! Il y a un deuxième chameau! Celui qui le montait ne doit pas être loin! Trouvez-le! Aïe-ya! Je m'occuperai de Barnabé plus tard. Qui es-tu? Oh. Et comment oses-tu pénétrer dans l'enceinte sacrée? Ah. Mais, mon Dieu, le Saint Graal, la quête de tout chevalier. Oh.
Qui es-tu? Je m'appelle Baba Barnabé, mais je suis détective privé. Détective, qu'est-ce que c'est que ça? Parle. C'est une sorte de collectionneur d'ennuis. Ton ami Argaï est détective aussi? Je vois pas de qui vous voulez parler. Tais-toi! Je sais que vous êtes venu pour nous voler. Nous ne tarderons pas à mettre la main sur ton complice. Tu seras le premier à périr. Un homme a violé le sanctuaire sacré, chef! Je savais que nous le retrouverions. Je m'occuperai de toi plus tard. Allez! Allons-y! Tout doux, les petits, tout doux, pas de panique, reposez-moi. Alors, Prince Argaï, te voilà pris au piège. Qui es-tu et comment connais-tu mon nom? C'est moi qui pose les questions. Le désert m'a dit que tu allais venir. Le désert ne parle pas. À toi, non. Sinon, tu ne serais pas venu jusqu'ici. Tu es brave, chevalier. Tu es le premier à être parvenu si près du but. Aussi, je vais te faire une faveur. Tu vas pouvoir contempler la quête de ta vie. Après, tu mourras. Un passage. Le Graal, enfin. S'est-il passé? Fouillez la ville! Il ne doit pas s'échapper! Je crois que nous arrivons. Barnabé! Où est le prince? La ville est gardée par des dingues au visage masqué, ils l'ont fait prisonnier. Oh, il faut le sauver! Ouais, mais comment faire? Ah, je sais! Allez, grimpe, Barnabé! Salut! Bonjour! Je m'appelle Frère Tiche. Et moi, Barnabé. Je vous ai vu au cinéma. Où ça? Je n'arriverai jamais à vaincre ce monstre. Épée magique, si tu es vraiment Excalibur, sauve-moi! Tu avais raison. Cela ressemble à un passage secret. Notre petit bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ça? Prince Argaï, Dieu soit loué, vite, ne perdons pas de temps. Suivez-moi. Le dieu Faucon, il a tué le dieu Faucon. Et le Saint Graal a disparu. Le passage, il a dû s'enfuir par là. Rattrapons-le. Vite, mes amis, courez, courez. C'est ici, Barnabé. Découpe un carré dans la pierre du sol. Il ne doit pas être loin. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Oh, voilà les deux. Je vais leur faire passer l'envie de nous suivre. Qui êtes-vous? Messieurs, je crois que l'aventure se termine pour vous ici. Quoi? Le Saint Graal est retourné du côté du bien. La bataille est perdue pour vous. Saisissez-les. Prince Argaï, tapez sur cette pierre. Le sol s'est ouvert. Oh, mon Dieu! J'ai le vertige! Ils ont disparu. À la bonne heure! Comment vous saviez, patron? Très simple. Huxley m'a communiqué les plans de la ville établis par les archéologues. J'avais juste un peu peur qu'ils ne soient pas vraiment exacts. Je crois qu'ils le sont. Il est temps de ressortir de ce trou. Frère Tiche doit s'inquiéter. Frère Tiche? Il est ici? Il est là, il est là. Et il vaut mieux ne pas le laisser seul trop longtemps, celui-là. Frère Tiche! Prince Argaï, on vous est revenu. Frère Tiche, quel bonheur de te revoir. J'ai honte de moi. C'est la deuxième fois qu'il arrive quelque chose à Angèle alors que j'en ai la garde. Je ne suis pas digne de votre confiance. Non, ne t'inquiète pas. Nous allons la chercher et nous la retrouverons. Mieux. Je reste ici au Moyen-Âge avec Frère Tiche. Je pars à la recherche d'Angèle. Je comprends, Prince, mais nous retournons dans le futur.
Gardez ce téléphone. Nous vous contacterons dès que nous saurons où la reine a emmené Angèle. Frère Tiche et moi, nous vous attendrons. Soyez très prudents. Au revoir. Au revoir. Salut Argueil. Toi aussi, sois prudent. Prince, je suis bien content de vous avoir retrouvé. Moi aussi, frère Tiche. Moi aussi. Oh oui. Je ne suis pas fâchée d'être de retour à New York. Le Saint Graal, vous vous rendez compte? Ex les sortes et plans de Petra, nous ne serions pas là. Et un de plus, avec la mandragore et l'amulette de Pharaon, ça fait trois. L'antidote se rapproche. Quoi bon l'antidote si nous avons perdu Angèle? Mais c'est vrai ce que vous dites. Il faut la retrouver. La solution se trouve forcément dans le livre des prophéties au cœur de ces quatre âmes. Voyons. Monsieur Oscar, je ne peux pas croire que nous ayons fait tout ça pour rien. Mais non, nous allons la retrouver, je vous le promets. À moins de tomber sur la reine noire. L'ange, la reine, capturera. Au sultan, elle l'offrira. Au grand marché, prince se rendra. Combattre la reine, il lui faudra. Le prince Argaï et ses amis parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle reine noire? Réussiront-ils à reconstituer l'antidote qui permettrait de briser l'envoûtement de la jeune Angèle? Rompre le maléfice reviendrait à détruire la reine, Argaï le sait. De la force de son amour dépend la survie du monde. Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argaï. Yeah.